Intellectuel, et puis on a assez un puits de connaissance, une information sur un tout petit carré en fait. D'un simple coup d'œil, on apprend un message. Ce sont des confrères, on peut dire grossistes entre parenthèses, qui achètent à la salle de par exemple des cartons assez volumineux d'affaires, de succession. Si ça m'intéresse, je le rachète. Voilà. À l'époque, mes objectifs passaient par le fait d'aller faire des voyages, puisque pour me démarquer des concurrents et des collègues, c'est pas négatif d'aller acheter de la marchandise que vous ne trouvez pas en France. Alors évidemment, il y a ceux qui sont occasionnels là, sur Internet, mais ça, ce sont pas des vrais marchands, ce sont des opportunistes, on va dire. Une journée type, c'est à peu près 25 clients qui passent ici. En particulier le samedi, reste une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, puis d'autres restent 10 minutes. Mais il y a une espèce de fraternité quand même qui s'installe avec l'habitude de les voir revenir toujours. C'est incontestable. Incontestable qu'il faut de l'ordre, de l'organisation, et puis être méticuleux, soigneux, propre, je dirais même. J'ai envie de me reposer un petit peu parce que le timbre, c'est une activité très prenante. Parce que vous avez les commandes, vous avez des timbres dans le monde entier, il faut se les procurer. Il faut presque un service de 3-4 personnes pour assurer les nouveautés.